aime bien nous. Oui, 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 bien-aimé, trouve trois personnes et dis-lui, tu as besoin de l'onction. You need three people. Tu as besoin de l'onction. You need anointing. Tu as besoin de l'onction. Quelqu'un crie onction. Onction. Shout anointing. Dis voisin, tu as besoin de l'onction. Voisin. Quelqu'un qui trois fois onction de Jésus. Onction de Jésus. Shout anointing three times. Anointing. Onction de Jésus. Amen. 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 L'onction est le catalyseur spirituel qu'un homme peut avoir sur la terre pour posséder la terre. Anointing is the catalyst that we need on earth to possess the earth. Sit down. For your chair. Écoutez-moi. Listen to me. C'est le catalyseur. C'est la catastrophe qu'un homme peut avoir pour posséder sa terre. To possess his earth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. My brothers in Christ. Depuis le mercredi, je suis en train de développer l'onction. Since Wednesday, I'm developing about the 19. Et c'est bien fait. Aujourd'hui, nous allons évoluer encore un peu. Parce que je suis dans la période où le Saint-Esprit doit descendre. Je dois vous parler de l'onction pour que vous vous intéressez au Saint-Esprit. Écoutez-moi correctement. L'onction. Vous en avez besoin. You need it. Que vous soyez commerçant, you be the business, que vous soyez politicien, you be the political, que vous soyez roi, que vous soyez homme de Dieu sacrificateur, que vous soyez ménageur, que vous soyez fonctionnaire étudiant, quel que soit le domaine où vous fonctionnez, tout domaine de vie, vous avez besoin de l'onction. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. My brothers in Christ. Écoutez-moi correctement. Listen to me carefully. L'onction est comme un lubrifiant qu'il faut mettre à des parties sensibles pour faire tourner un moteur. Ou une voiture. Écoutez-moi correctement. Listen to me. Nous sommes dans la période du sacerdoce royal. Quand je parle de sacerdoce royal, nous sommes dans l'époque où il faut être sacrificateur et en même temps roi. Amen. Il faut être à la fois sacrificateur et roi.
Le roi possède la terre. Le roi domine. Le roi est celui-là qui règne. Mais le sacrificateur est celui-là qui attire la divinité à opérer sur la terre. La divinité de Dieu a agi sur la terre. C'est l'homme qui apporte l'alliance dans son effectivité. Et la dernière fois, nous avons parlé de Jésus. Aujourd'hui, nous allons encore lire Jésus. C'est dans le livre de Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous me le lisez rapidement. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et dit, vous savez, you know, comment Dieu a oué. Là, là aussi souligné oué. De quoi? Du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La dernière fois, nous avons lu Luc. Chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oué. Et j'ai parlé du mot oué encore là, du verbe oué là. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Jésus sur la terre était Jésus homme. Comme toi et moi. Il avait toute faculté comme toi et moi. Il n'a rien de différence. Il doesn't have anything different avec nous. Il a les mêmes traits, les mêmes facultés. Il a the same faculty with us. Comme nous. Donc Jésus était sur la terre comme un humain comme toi. Il est né comme nous, à la différence qu'il n'y a pas eu accouplement. Pour lui, sa semence. Amen. Amen. Mais ici, avant qu'il ne soit différent de nous, before he was different with us, il lui faut un élément capital. Il faut un élément capital. C'était le Saint-Esprit. It's his Holy Spirit. Mais là, here, qu'est-ce qui se passait? What happened? Avant Jésus, before Jesus, le Saint-Esprit venait sur des gens. Holy Spirit came upon people. Et il faut opérer. Et ils se retiraient. À chaque instant qu'ils ont besoin d'une opération, où ils criaient, à Dieu, le Saint-Esprit descendait en eux. Et il opérait. Mais cette fois-ci, il y a une différence. C'est une onction. C'est une huile. Le Saint-Esprit s'est symbolisé en une huile. Pour rester en permanence sur la personne. Ce fut le cas de Jésus.
Et c'est la vie de Jésus. Et c'est pour cela au début de son ministère. Il a été emporté dans le désert. Et il fut rempli totalement de l'esprit. Jusqu'au point où sa coupe débordait de l'esprit. Quand on parle de coupe. Ou quand on parle de verre, on parle de contenant. Et ces contenants gardent tout ce qui est liquide. Ça peut être une boisson. Ça peut être de l'eau. Ça peut être une huile. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible parle de sa coupe déborde. En quoi? En onction. Amen. En onction. Et la différence entre Jésus et les autres, c'est quoi? Jésus n'a plus besoin d'aller jeûner avant d'opérer. J'ai expliqué ça la dernière fois. La différence entre un pasteur qui est oint et un pasteur qui prie pour opérer, lorsqu'il est pasteur, je suis pasteur, avant d'opérer ou répondre à la solution de quelqu'un, celui qui n'a pas l'onction va toujours jeûner. Quand un problème vient, il doit jeûner avant la solution. Même si son enfant est en train de mourir, il faut qu'il aille jeûner avant d'apporter la solution. Ce qui faisait que les gens mouraient n'importe comment dans le corps de Christ. Parce que vous pouvez sauver la personne, mais vous ne pourrez pas. Hein? Mais il faut que vous alliez jeûner d'abord. Amen. Mais celui qui porte l'onction, lui, quel que soit le cas, ordonne pas la foi agissante. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Il a reçu déjà le baptême dans le Saint-Esprit. Donc il a le don de la foi ou le don de miracle ou le don de guérison. Donc lui, il ordonnera. La différence pour les connaître vient. Nous voulons prier à quelqu'un. Alors pour prier, tends ta main en haut comme ça. Il faut pas mettre la soupe. Amen. Quand il tend sa main comme ça, c'est lui qui est en situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre sa main. Oh Dieu, oh God, toi qui parles et le soleil brille. Oh Dieu, toi qui as fait que le jour s'est apparu. Toi qui es trois fois saint. Toi qui es vivant éternellement. Viens guérir telle personne. Seigneur, Jesus, descends ton sang. Oh, pour que ton sang descende sur lui. Viens le guérir. Et avant, quand il fait ça, ça ne marchera pas. It doesn't work. La prière ne marchera pas. The prayer doesn't work. C'est la prière des gens de peu de foi. It's the prayer of little faith. Alors là, le lendemain, il va revenir. Il va revenir prier encore. Après le lendemain, il viendra encore. Prier encore. Donc la foi de celui-ci sera faible. Il dira que bon, il a prié pour moi le jour là, c'est la même chose. Il prie aujourd'hui aussi, c'est la même chose, je constate. Et lui-même aussi, il vit dans la routine de prière.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de décréter un jeûne et prière. Et il viendra prier. Il viendra faire le jeûne et prière. C'est quand il va finir le jeûne et prière que la miséricorde de Dieu va intervenir. Parce qu'il a tué son corps. Sa chair, il s'est laissé, il s'est t'endeuiller devant Dieu. Et la miséricorde de Dieu vient répondre. La personne peut mourir. La personne peut mourir avant sa réponse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'était comme ça les gens vivaient. Mais après que Jésus est venu, à la différence des autres, au début Jésus est parti sur la montagne. Dans le désert jeûner. Trouvez-moi un autre passage dans la Bible. On a dit après que Jésus ait jeûné 40 jours, 40 nuits, qu'il est parti jeûner encore. Il n'est pas tout face again. Mais je voudrais vous expliquer pourquoi il n'a plus jeûné. Il a gardé son intimité. Son alliance ne s'est pas hypothéquée. Pour reprendre encore le jeûne d'intimité. Donc il a reçu l'onction. Maintenant quand il a reçu le mandat, quand il lui trouve un cas, il ne vient pas dire oh Dieu. Il ne vient pas dire oh God. Oh le Dieu ancien. Oui, kiti kata kata kata. Le Dieu redoutable, le Dieu kiti kata. The God of Medelos. Oui, Dieu est le Dieu qui ordonne le jour apparaît, la nuit apparaît. The God that commanded. Ripopo kata kata. Speaking in tongues. Lui ne fait pas ça. He doesn't do it. Quand lui trouve le cas, parce que lui est déjà sur lui. Je commence. I commence. Il sait qu'une maladie est l'œuvre de Satan. Une maladie est le résultat d'un péché. Et dit tes péchés sont pardonnés. Ou bien dit ta foi t'a sauvé. Reçois ta guérison. Si c'est un témoin qui dit toi mauvais esprit, sors. Et la personne trouve la solution. The person find the solution. Il ordonne. Il commande. Il recommande. Il commande. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus faisait. That's when Jesus operated. Amen. 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 C'est ce qui fait que dans les églises, où les gens comprennent cette réalité, understand the reality. Cela ne veut pas dire que nous ne prions pas, nous ne jeûnons pas. Nous sommes se retirer. Jésus faisait quoi? Hormis le jeûne, Jésus se retirait chaque nuit pour prier. Il allait au niveau du mont Olivier pour prier la nuit. Ou sur la montagne de la transfiguration pour prier la nuit. C'était quoi? C'est pour se recharger. Le jeûne intervient lorsque tu veux dépasser une dimension pour une autre. Le jeûne intervient. Tu ne peux pas jeûner pour la même chose deux fois. Quand tu as jeûné, prochainement tu veux jeûner, c'est une autre dimension. C'est pour autre objectif encore.
Mais le constat est que le chrétien ne veut pas avoir sa nouvelle naissance. Donc il prie pour la même chose pour toujours. Par conséquent, dans les églises, il n'y a pas de vrai témoignage. Jésus est venu sur la terre pour... Dans le ministère de Jésus, il y avait trois choses. La parole, les actes, que j'appelle encore les preuves, et le témoignage. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a seulement la parole. Et on peut prendre des témoignages. Et il n'y a pas les preuves. Mais le témoin comprend c'est quoi? J'ai voyagé d'ici pour dans ton pas. Quand je passais, j'ai vu des accidents sur la voie. J'ai vu, c'est pas toi qui as risqué. Amen. J'ai vu plein. Mais Dieu m'a sauvé, je suis parti et je suis revenu. On t'a dit que nous, on n'est pas parti, on n'est pas revenu. Nous tous, nous sommes reconnaissants. Quand nous sommes réveillés de notre lit, c'est un grand miracle. Mais quand on parle de témoignage, c'est quelque chose qui est particulier. Quelque chose qui est particulier à toi. Qui peut édifier la foi des autres. Amen. Ces choses ont manqué aujourd'hui dans le corps de Christ. Mais la Bible dit, ne savez-vous pas que Dieu a moins du Saint-Esprit, a moins, a moins. Dans le verbe moindre existe le mot onction. Si Dieu appelle quelqu'un et qu'il fait le baptême dans le Saint-Esprit à quelqu'un, cela veut dire que la personne est où dans une dimension donnée. Et il dit il est où, hein? Ce qui fait qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Le bien d'abord c'est quoi? Si vous êtes loin, le bien doit être autour de vous. Si vous êtes loin, faire du bien ne sera pas un problème pour vous. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il est loin, mais il ne fait pas du bien, il n'est pas loin. C'est Satan qui l'a oué. C'est Satan qui l'a oué. Celui qui est oué, celui qui est oué fait du bien. Il aspire à faire du bien. Toute sa vie tourne dans le bien. Il n'aime pas l'injustice. Celui qui est oué donne à manger à celui qui a faim. Celui qui est loin défend la cause de la veuve et de l'orphelin. Celui qui est loin aide ceux qui sont en difficulté. Depuis que tu dis que tu es loin, parce que toute personne qui a reçu Jésus a le Saint-Esprit en lui. C'est une portion d'onction. Et l'on parle de la présence résidente de Dieu en la personne. Ça, c'est à l'étape embryonnaire. Il y a la présence mobile de Dieu, dynamique de Dieu. Et c'est là que vous voyez les opérations, les bienfaits et autres. Il y a aussi la présence glorieuse de Dieu en quelqu'un. Amen. C'est des étapes qu'on suit. C'est une étape.
Écoutez-moi correctement. Listen to me carefully. Depuis que tu as la présence résidente de Dieu, à qui tu as fait du bien sur la terre? Depuis que tu viens dans cette église, apôtre Paul a dit, faites du bien parmi vous. À qui tu as pu donner une chaussure? Depuis que tu es dans cette église, à qui as-tu donné un pain de 1000 francs? Toi, tu ne sais pas faire du bien et tu veux que Dieu te fasse du bien. Mon frère, tu n'es pas où et ton huile à moteur est gâtée. Your oil is spoiled. Celui qui est ouin ne vit pas dans l'injustice. Ne détruit pas son prochain. Je vais lui faire, il aura crise cardiaque. Tu n'as rien fait. Dis voisin, tu n'as rien fait. Je vais saboter mon frère. I speak against my brother. Si tu es ouin, tu ne peux pas venir déposer faux billets dans la quête. You can't drop a false money. Si tu es ouin, tu ne peux pas prendre une enveloppe et mettre pièce dedans et venir déposer. Si tu es ouin, tu ne peux pas plier papier mouchoir que tu as pris pour essuyer le visage pour venir donner dans la maison de Dieu à la place d'une quête. Error. The fire. Si tu es ouin, tu ne peux pas à l'église et faire une concurrence négative. Si tu es ouin, tu ne peux pas être rebelle à la parole et aux ordres de l'église. Si tu es ouin, tu ne peux pas être femme qui embête son mari à la maison. Si tu es ouin, tu ne peux pas être l'homme qui donne à manger aux petites filles au dehors et abandonner ses enfants et ses femmes à sa femme à la maison. Si tu es ouin, tu dois protéger ton mari, tu dois aider ton mari, tu dois laver même son slip à la maison. Si tu es ouin, écoute-moi correctement. Tu ne peux pas refuser de donner argent de coporte. Et tu vas manger comme et tu viens dormir. Ou bien tu vas manger poulet braisé et tu viens dormir. Comme si tu n'as rien mangé comme les autres. Fire sur ta tête. Fire upon your head. Papa, les gens, fire dans la main. Preach that. Si tu es ouin, tu ne peux pas vivre une vie d'hypocrisie auprès de ta soeur, auprès de ton frère. Close to your friend. Si tu es ouin, tu ne peux pas être jaloux des autres. You can't be jealous of others. Hein? Je suis content de toi. Vous êtes content de moi. I'm happy of you. Alléluia. Hey. Bon. Hey. Tu es Origigi. Je suis Origigi. Original Dante. Mon vivre papa est là. Celui qui est ouin vit une vie exemplaire. Tu dois faire du bien. Tu vois ton prochain. You see your neighbor.
dans le problème, in a problem, tu es où tu dis. Tu as trois voitures. Mais tu ne peux même pas aider les pasteurs. Le groupe d'évangélisation, allez évangéliser avec une de tes voitures. Merci là-bas, Daddy. The group of evangelization, you can act there. Tu es loin. You are anointed. Tu ne peux pas supporter ton frère dans la prière. You can support your brother in prayers. Mais son problème devient joie pour toi. His problem become happiness. Sa situation devient fête pour toi. His situation become happiness to you. Celui qui est loin, someone who is anointed, compatit aux douleurs de celui qui pleure. Feel the pain of his brother who is in the pain. Validé. Si tu es oué, lorsque ton frère pleure, when your brother cries, tu vas compatir pour lui. Tu dois le soutenir. You support him. Si tu es oué, if you are anointed, tu ne peux pas arrêter de tromper ton mari. You will not be fighting. You will not be cheating on your husband. Si tu es loin, tu ne peux pas être jeune fille et tu traverses quatre jeunes garçons dans l'église. You can't be a young man. You can't be a young man up in the church. Toi seul, tu ne prends pas tout le monde dans l'église. Mon frère, my brother, ma soeur, my sister, ton là-bas là, c'est océan. Preach, Daddy. Dis, voisin, es-tu oué? Are you anointed? Amen. Amen. L'onction va couler tout à l'heure correctement. L'onction will flow right now. Dis voisin, je suis content d'être là aujourd'hui. I'm happy to be here today. Quelqu'un n'a pas dit, vous savez, c'est lui qui fait ça. If he doesn't speak, you know he's suspect. Dis voisin, je suis content d'être là aujourd'hui. I'm happy to be here today. Il faut comprendre quelque chose. Understand something. Tout message. Every message. Écoutez, je peux prêcher ce message. I can preach this message. Et ne pas entrer dans le bien. And not enter with goodness. Vous serez content. You'll be happiness. Mais vous irez tous dans l'enfer. But you will go in fire. L'onction ne vient pas si tu ne cadres pas ta vie. Lorsque le message te touche, ça veut dire que Dieu t'aime. C'est pas que je prêche et que je suis saint, non. Le message qu'on prêche, ça t'amène à suivre les normes de Christ, à garder ta nouvelle naissance. C'est tout. Ce n'est pas que nous visons quelqu'un, non. Amen. La Bible dit, the Bible says, ne savez-vous pas que tu as au moins le Seigneur Jésus. You are not of Jesus. De son esprit. Of your spirit. De force. Où il allait de lieu en lieu. Faisant du bien. Et libérant les gens qui sont sous l'emprise du diable. Écoutez-moi correctement. Listen to me carefully. Si vous êtes loin, la jalousie va disparaître chez vous. Jealousy will disappear on you. Si vous êtes loin, tu ne diras pas, ah papa aime telle personne, et moi non. Jealousy. Si tu es loin, tu ne peux pas diviser les pasteurs. You will not divide the pastors. Si tu es loin,
Je ne peux pas apporter la division parmi les différents groupes. Si tu es ouin, tu obéis si on te punit. Parce que celui qui est ouin obéit à la voix de l'Éternel. Obéit the voice of God. Yes, acclame, acclame. Clap for Jesus. Celui qui est ouin est celui qui accepte son tort et demande pardon. Moi, que tu as fait erreur devant ton mari, au lieu de dire papa à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, papa, si toi tu n'existes pas, parce que moi je n'existe pas, si toi tu te fâches, mon cœur saigne. Si toi tu te fâches, mon miel ne passe plus dans mon corps. Si toi tu te fâches, je ne suis plus lubrifié. Tu es mon chair. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Sarah Abraham my God. Et la paix va revenir. Peace will come. Mais tu dis, depuis quand tu es né, qui es-tu? J'irai dans la maison de mon père. Je vais appeler mon frère pour toi, mon papa pour toi. Tu n'as rien dit. Si tu fais, tu es ouin. Tu vas tenir ta femme comme ton propre corps, like your body. Je vais te dire quelque chose. And to say something to you. Si je veux donner, je donne. If I want to give, I give. Dieu m'a parlé, je te donne. God speaks to me. L'onction qui est sur ma vie donne. And nothing my body has given you. Mais si ma femme me demande quelque chose, if my wife asks me something, et que c'est la même chose que tu demandes, and je dois donner à ma femme avant de te donner. Before giving you, mi bello chisa, bolo blad, bolo na bo emene, leno blad alo tohome. Ceux qui ont les deuxième, troisième, quatrième bureau qui donnent l'argent de quoi, de coiffure là-bas. The people give the aid money. Et votre femme à l'intérieur, your wife is inside. Dans ton otani di oblo 6 mois. Elle a déjà gagné la coiffure qu'elle a 6 mois maintenant. She has a 7 mois ailleurs. Tu n'es pas bon. You are not good. Akuno. Donne-moi un feu dangereux. Aïe! Si tu es ouin, if tu dois savoir, you need to know, que salade que la Danjou mange au dehors là. Salade est bizarre. Tes enfants aussi en ont besoin. Pour ne pas sortir, je vous dis maman. Quand on est parti pour excursion là, maman, ouais, c'est de nous connaître. On nous a envoyé de feuilles, c'est feuilles seulement. They send us a leaf. Maman, on nous a envoyé feuilles. Maman, they send us a leaf. Je ne peux pas manger ça. Maman, c'est lourd. Maman, je suis resté à jour jusqu'à rentrer. Mes frères sont en train de manger. Mes camarades mangent correctement. Et ils disent que la sauce s'appelle salade. Maman, depuis qu'on est devenu mouton pour manger cela. Il faut lui dire, ton papa a donné ça aux gens, au dehors. Non, papa te comprend, mais les corps sont fatigués. Non, papa, pardon. Dis à papa de te payer ça aussi. Non, papa, ou de me donner de l'argent, je vais vous faire ça. Donne-moi un feu dangereux. Fire! Fire! Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, écoute-moi correctement. Me et dis maintenant, il le libère sous l'emprise du diable. L'onction, c'est un national. Suis celui-là qui est ouin pour libérer les autres. Deliver others.
Ça protège celui qui possède. Mais nous et notre choix. Il protège. Et ça aide ceux qui l'entourent aussi. Et nous quoi mais les gars. And others. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui porte l'onction. Mais regardez ça. Your words anointing. Devient une grâce. It was a charm. Become a grace. Un élément. À protéger par ses frères. Non, je t'en ai photo. To protect his brothers. Pourquoi? Celui qui porte l'onction, si te salue simplement, un démon peut partir. C'est pas tout démon qui vibre avant de partir. Celui qui porte l'onction devient une couverture pour toute sa famille. Et become a couverture to his family. Et c'est pour cela que tu en as besoin. L'onction n'est pas destinée au pasteur seul. Anointing is not destined for pastor. Tu en as besoin. You need also. Celui qui porte l'onction est un homme qui reporte le malheur ou qui annule le malheur dans sa communauté et dans sa famille. His family. Celui qui porte l'onction porte une grâce messianique. La grâce messianique, c'est une grâce qui sauve. Celui qui porte l'onction, s'il est dans une voiture avec les gens, il y a accident. À cause de lui, les autres sont protégés. Parce qu'il porte l'onction. C'est une force sur toi. Et qui brise le joug. Celui qui porte l'onction ordonne aux démons qui perturbent les activités de fuir. Et le démon n'a plus bagage. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. The transfer of anointing. Nous sommes déjà commencé à travailler derrière. The anointing is flowing in the chapel. Wherever you're watching, can you reçois ça in the mighty name of Jesus. Jesus. Receive it in the name of Jesus. Be connected to wherever you're watching us, as you can see the demonstration of transfer. Jesus. Là où il y a la mort disparaît. Jesus. Dis, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Anointing. C'est une huile. Amen. C'est une huile. It's a huge. Lorsque vous avez l'huile, à la main, vous touchez quelqu'un comme ça. L'huile reste sur le corps de la personne. L'onction sauve beaucoup. Lorsque vous lisez le livre de Deux Rois, 4, le verset 40-41, vous verrez que Élisée a sauvé. Il a chassé des gens de la mort. Of death. Et comment? Je lis au nom de Jésus. Oui. Deux Rois 4, 40 à. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. 41. Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. 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 Écoutez-moi correctement. Élisée s'est retrouvé à Gilgal. Et là, parce qu'il portait l'onction sur lui, le peuple de ce qui s'était passé à Jéricho, le peuple le respectait. Alors les hommes sont venus autour de lui. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi les églises ne sont pas remplies? Mais il n'y a pas du monde dans les églises. Parce qu'il n'y a pas d'onction. L'onction attire la foule. L'onction attire la foule. Il suffit qu'on te découvre, les gens vont venir. Il suffit qu'on te découvre. Mais les gens ne savent pas.
Ils ne vont pas venir. Mais les jours, ils savent ça. Les jours, ils voient ça. Le monde vient. Amen. Amen. Et bien là, les hommes sont venus autour d'Élisée pour le servir à cause de ce qu'il portait. Mais il y avait une famine dans le pays. Et les gens mouraient de faim. Il ne pleuvait plus, il n'y avait rien. Vous devez savoir, quand on parle de famine, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sachez qu'il y a eu sécheresse. Le ciel est fermé, la pluie ne tombe pas. The heaven is closed and the rain is not falling. Amen. Amen. Eh bien, nous finions. Yeah. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Ils sont allés dans la brousse. They went to bush. Aller chercher des vignes sauvages. They went to find vines. Et des coloquintes. With the croquettes. Amen. Amen. Et ce sont, c'est comme du haricot sauvage. Yes, sir. Et comme ils n'ont rien à manger, ils vont mourir de faim auprès de l'homme de Dieu. Ils vont mourir de faim auprès de l'homme de Dieu. Ils sont allés chercher ça et puis ils ont préparé. Et ils ont fait du potage avec. C'est comme du sangwiti. Amen. Amen. Et c'est comme ça ils ont préparé l'haricot sauvage. Et ils se sont servis pour manger. Quand ils sont venus pour manger, ils ont constaté que le mets est empoisonné. Vous devez savoir qu'il y a certains fruits qui portent du poison. Amen. Amen. Qui portent du poison. Ceux qui ont étudié la botanique vont savoir ça. Amen. 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 Et là, l'haricot sauvage là portait du poison. Donc quand ils vont manger, ils vont mourir. Toi-même, tu sais que le truc porte du poison. Si tu veux manger, est-ce que tu vas accepter de manger? Donc ils ont refusé. Ils ont refusé de manger. Ils ont crié seulement, la mort est dans le pot. La mort est dans la marmite. C'est-à-dire que l'haricot, la nourriture, il y a du poison dedans. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Prophète. Maître. Master. Il y a la mort dans le pot. Comment on va faire? Écoutez ce que l'onction fait. C'est pourquoi vous en avez besoin. Élisée devait se retirer pour aller sur la montagne. Amen. Amen. Il doit prier. He needs to pray. S'il part pour prier, avant qu'il ne revienne, les gars seront morts de faim. The people died on famine. Donc son onction doit parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit apporter du farine. And he asked the farming. Et verser la soupe. Verser encore du farine là. And drop the farine on top. Donc il a pris la farine et il a versé sur l'haricot, les coloquintes préparées. Et il servait ça aux gens s'ils n'ont qu'à manger. Et ils ont pris, ils ont mangé et ils n'ont plus constaté l'effet du poison. Et tous ont mangé, ils sont restés vivants. L'onction change la mort à la vie. Là où quelqu'un peut mourir, l'onction empêche la mort et donne la vie. Là où quelqu'un peut pleurer, l'onction empêche les pleurs ou change les pleurs en de la joie. Reçois l'onction ce matin. Vous savez,
Si ta femme porte l'onction, if your wife has anointing, c'est une grâce pour toi. It's a grace from you. Si ton mari porte onction, if your husband has anointing, si vient même dans ta boutique, tu vas vendre le jour. If he's kept your shop, you sell very well. Tu vas vendre dangereusement. Et tu ne sauras même pas que c'est à cause de lui. You don't know it's because of him. Celui qui porte l'onction, s'il vient chez toi, when he comes to your place, c'est bon pour toi. C'est ce qui fait que nous n'allons pas de maison en maison, de lieu en lieu. Non. It doesn't go any places. L'onction ne se promène pas. Anointing doesn't walk around. L'onction, on conserve cela. Celui qui porte l'onction, ne parle pas yaba 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 yaba. Les femmes, l'onction que tu veux porter aujourd'hui, ne va pas dire en ville ou bien au quartier. Attends-toi, homme. Annonce-toi, homme. Mettez mes dix ouais. Mettez Agni. Tu es qui? Oh naoué. Oh naoué. Oh naoué mais. Oh naoué. Error. Oh naoué. L'onction ne fait pas comme ça. Anointing doesn't work like this. Vous allez voir que ceux qui portent l'onction, ce soir anointing, ils vont pour une mission. They went for a mission. Ils vont pour une mission bien précise. They went for a mission precise. Parce que celui qui porte l'onction peut détruire. Mais il y a un message. Tu peux lui parler. You can speak to ça him. Va l'agacer. Ça va l'énerver. Ta vie est foutue. Your life is dangerous. Your life is finished. Ta vie est foutue. Your life is finished. Celui qui porte l'onction, s'il déclare, c'est qu'il a déclaré. À tout moins qu'il agit pour briser. C'est comme s'il retire sa parole. It's like he reduces his word. Il retire sa parole. Il retire sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. From the Saint Christ. Si tu n'as pas l'onction, it doesn't have anointing. Et je vais vous dire une chose. I want to say something. Si tu n'as pas l'onction, it doesn't have anointing. Ce que tu fais, what you did, ira en temps de si. Et là, nous comptons. Nous comptons. Même ton mariage ne sera pas solide. N'aura pas de vie. Of your life. Tout ce que tu fais, whatever tu vas éprouver de difficultés. Je vous explique. Quand il y a de l'huile ou de lubrifiant sur un moteur, est-ce que ça bloque? Est-ce que le moteur bloque? Le moteur ne bloque. Quand vous voyez les amortisseurs, quand les amortisseurs perdent leur huile, est-ce que cela s'amortit encore? L'onction est comme les lubrifiants que les mécaniciens utilisent. Si tu n'en as pas, ton fonctionnement sera difficile. Tout ce que tu fais aura de difficultés. C'est ce qui fait que tout chrétien doit aspirer à avoir l'onction. Je suis commerçant, j'ai besoin de l'onction pour faire fonctionner mon commerce. Là où il y a l'onction, la foule vient. La clientèle va venir. Customers call. Yes. Dis Seigneur Jésus. Lord Jesus. J'en ai besoin. No, I need it. J'en ai besoin. Lève-toi, dis Seigneur. Lord Jesus. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Dis Seigneur. Oh Lord. Si je n'ai pas d'onction. Ni comment je vais faire? Am I going to do? Comment je peux vivre? Am I going to live? Sans l'onction. Without anointing. J'en ai besoin. I need it. Bien-aimés dans le Seigneur, my brothers in Christ, beaucoup ne savent pas some people don't know ce que l'onction fait. Écoutez, what anointing does. Dans Luc 10, Luca, à partir du verset 5, Luke 10, verses 5, asseyez-vous. Luke 10, verses 5, quelque chose est dit là.
Et le neuf finit. Et vous allez comprendre ce que l'onction fait. Maintenant, tout le finit. Le 10. Amen. Oui, le 10. Verset 5. Mm-hmm. Dans quelque maison que vous entriez, mm-hmm. dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Ah. C'est toi, l'homme. C'est toi, c'est fin. Ah! Laisse ça. Luc 10. Relisa. Lera. Dans quelque maison que vous entriez. Dans quelque maison que vous entriez. Dites d'abord. Dites. Que la paix soit sur cette maison. Let the peace in the house. Et s'il se trouve là un enfant de paix. S'il se trouve là un enfant de paix. Ça veut dire qu'il n'y a pas des enfants de paix partout. Yeah. Il y a des enfants de paix. Hey. Il y a des méchants. Merci, Dandy. Vas-y. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Votre paix reposera sur lui. Sinon, ça va se retourner sur vous. Vous voyez comment ce que j'ai dit, je veux te déposer sur toi, peut retourner sur moi. Parce que tu n'es pas quelqu'un de paix. Tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Tu aimes me dire. Tu vis avec hypocrisie. Ça peut se retourner. Vous avez compris? Lui, continue. Demeurez dans cette maison-là. Il dit, si la personne est un homme de paix, mm-hmm. demeurez là. Mm-hmm. Si aujourd'hui, c'est la maman c'est qui a de paix, et qu'elle m'a accueilli dans sa maison, et qu'elle est quelqu'un utile pour l'œuvre, elle pousse l'œuvre, ma paix va rester sur lui. Je vais demeurer dans la maison de quelqu'un. Je vais aller dormir dans la maison de la personne. C'est des choses que vous devez comprendre. Maintenant, si elle n'a pas la paix, c'est celle-ci que j'ai trouvée, ma paix reste là. Ou bien si c'est celle-ci, ma paix reste ici. Vous avez compris? Allez-y. Il dit, demeurez-y. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Tout ce qu'on vous donne, prenez. Amen. Vas-y maintenant. Car l'ouvrier mérite son salaire. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. N'allez pas de maison en maison. Les hommes de Dieu sont devenus des sapeurs-pompiers. Ils partent dans cette maison aujourd'hui. On sort, on part dans l'autre maison. On quitte ici, on peut passer dans 10 maisons avant le soir. Tu n'as pas l'onction. You don't have anointing. Madame, c'est ça. C'est un homme de Dieu archaïque. It's the man of God archaïque. Du fire. Oh. Fire. C'est en allant de maison en maison que les passions commencent. En allant de maison en maison, c'est là que les commérages commencent dans la bouche du pasteur. That is the way things begin to the life of pastor. Vérité. Il oublie son travail pour les commérages. Et il perd l'onction parce que il y a la familiarité. Les portes de l'intimité s'ouvrent. Nous, on ne parle pas de maison en maison. Et vous dites que pasteur Tenyen est là. Nous avons mis ça au IEL. Et nous avons appelé nous Mégon Gwedea. Il dit n'allez pas de maison en maison. Mais maintenant, il y a différentes places. C'est moi qui ai dit ça.
Lis la Bible. Non, mais c'est 10, la 7 qui a dit ça là. C'est pas écoute à 6. Allez-y. Fin. Vas-y, il faut voir. Man of God. Vas-y. Verset 11. Dans quelle ville? Chapter 11. Dans quelle ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Vas-y. Le 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades et les sickness. Et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Continue. Mais dans quelle ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Écoutez-moi. Il dit, quand vous allez maintenant, et là il n'y a pas quelqu'un de paix, on vous a chassé, sortez de la ville et allez à la place publique de la ville. Public place. Secouez vos pieds. Que leur poussière ne s'attache pas à vous. Et faites retomber leur malédiction contre eux. Soulevez la poussière de leur ville contre eux. Quand soulève la terre contre toi, tu peux vivre. Imaginons, tu es rentré chez un pasteur est venu chez toi. C'est comme le pasteur Omiad. Il vient chez toi. Et peut-être il vient parler mal de moi auprès de toi. Et maintenant, quand il va parler, celui-ci va dire, when he speak, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a raison, non? De ne pas être d'accord. Mais il peut être maudit. Et si je ne remarque pas pour briser ça sur lui, parce que ce que lui maudit, je peux briser. Mais ce que je maudis, lui ne peut pas briser. C'est une affaire de dimension. Est-ce que moi je sais qu'il est venu chez lui? Moi je ne sais pas. Non, ça va rester, il va s'énerver contre lui. Parce qu'il ne l'a pas accepté. Ou bien il peut l'inviter pour un projet de celui-ci peut faire un projet de déstabilisation. Quand le pasteur va écouter ça, il va le moraliser, mais va s'énerver dans son cœur. Celui-ci est une mauvaise personne. Quand il sort de sa maison, lui sera maudit. C'est deux paramètres. Parce qu'il porte l'onction. Quand l'onction s'agace, c'est fini. C'est ce qui fait que vous allez voir ceux qui ont l'onction de démon, les sorciers, comment ils opèrent. Ils viennent te provoquer. Quand ils te provoquent, tu vas réagir contre. Et ils t'envoient le sort. Faites attention. Et c'est pour cela que je désire que tous les fidèles ici portent l'onction. Si tu portes l'onction, les autres fidèles qui n'ont pas l'onction, tu es boss. Tu es le boss. C'est ça. Amen. Tu portes l'onction. Ton enfant tombe en crise. Go! Toi, esprit de mort. Spirit of death. Élisée a changé la mort. Est-ce qu'il a prié? Il dit, amenez-moi de farine. Il dit, amenez-moi du sel. Il dit, amenez-moi l'huile. Il dit, amenez-moi de l'eau. Bois l'eau là. Bois l'eau là. Bois l'eau là. Bois l'eau là. Hey, the power of anointing. Yes, sir. Et l'onction 1 et donne vie. Il dit bois. C'est drink. Ou bien il souffle sur toi. Ça suffit.
pour que la solution vienne. Solution. Il peut envoyer sa main comme aïe. Et puis la solution vient. Solution. Il peut dire reçois la grâce. Et la paix revient. Et puis we come back. Celui qui porte l'onction. Tu peux le téléphoner simplement. Il dit ne t'inquiète pas. Rien ne va se passer. Et rien ne se passera pas. Je prophétise les yeux ouverts. Aujourd'hui, l'onction de Dieu va t'en parler au nom de Jésus. Celui qui porte l'onction est un homme surnaturel. Il va étonner sur son passage. Celui qui porte l'onction, on prépare un poison pour te faire manger. Tu ne sais pas. Tu prends ça, tu ne mourras pas. Ou bien au moment où tu vas prendre ça, ça va tomber. Ça va casser. Et là, ça va tomber en même temps. Et là, dis, je reçois ça. Je reçois ça. L'option, si c'est sur toi. Allez, c'est ça, là où tout le monde dépose les dossiers. Oui, mais les dossiers, toi, tu déposes. Ouais, c'est pour toi, on prendra. Ouais, là, c'est ouais. Ouais, c'est ouais. Si on te pique. Yes, sir. Dis, c'est pour moi, on prendra. C'est pour moi, on prendra. Yes. C'est pour toi. Ouais, toi, là, c'est ouais. Bien-aimé, si tu vis la vie chrétienne, tu as besoin de l'onction. Il y a certaines choses qui se passent sur les chrétiens. Et je dis, wow, parce qu'il n'y a pas d'onction là. C'est pour cela que ça s'est passé. Il y a l'onction. Écoutez-moi. Parastamol va guérir ce que l'opération doit un chrétien, celui qui est appelé petit Christ, Jésus vit petit. Doit porter l'onction. Assez toi. Tu dois porter l'onction. Dis, je dois porter l'onction. Je dois porter l'onction. Tu portes l'onction. L'onction agit partout. Tu portes l'onction. Et l'onction doit agir. L'onction doit agir. Tu dois porter l'onction. Porte l'onction. L'onction doit agir. L'onction. Du voisin, l'onction. Yes, si tu portes l'onction, le docteur peut te faire un bilan. Et tu vas lui dire, docteur, tu as menti. Car ce bilan ne peut pas être pour moi. Car dans le corps de Jésus, il n'existe pas ces gens de malades. Yes. Le monde aujourd'hui, ceux qui peuvent vivre et traverser, c'est ceux-là qui auront l'onction. Tous les enfants auront dit que l'onction de Dieu qui est sur moi entre sur eux au nom de Jésus. Que l'onction intègre leur vie au nom de Jésus. Puis je reçois l'onction au nom de Jésus. Si tu as l'onction, assieds-toi. Tu vas déjouer le plan de tes ennemis. Quand ils vont te lancer quelque chose, il y aura retoi l'envoyeur. Écoutez, ce n'est pas la prière qui fait retoi l'envoyeur. La prière te donne une intimité avec Dieu pour posséder les dimensions, les dons. A prayer gives you intimacy to possess the glory of God. En ce moment, tu tues ton corps. C'est là le jeûne et prière. In that moment is the fasting and prayer. Tu ne peux pas être devant le DG. You come in the front of your boss. Et c'est devant lui tu vas combattre du ribobo, ça va là, 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 là. You have to speak in tongues. Je vais dire au DG, sinon quoi?
Parce que tu l'as salué simplement, l'onction sort de ta bouche. L'onction sort de ta bouche. Elle envahit. L'oxygène qui sort. Écoute-moi. Quand tu aspires ou expires comme ça, l'onction sort et emballe le bureau. L'onction agit comme le parfum du premier degré. Quand ça entre quelque part, tout le monde sent le parfum là. Si tu n'as pas l'onction, tu vas toujours pleurer. Mes choses n'évoluent pas. Dans la famille, on est contre moi. On a fait fétiche contre moi. On m'en fout tous les jours. Parce que tu n'as pas l'onction. S'il y a Dieu ici, 150 personnes vont porter l'onction aujourd'hui. Wherever you are, be connected. The anointing is praying. Jesus, whatever you are, wherever you are, be connected. Écoute-moi. Listen to me. Tu ne portes pas l'onction, peut prophétiser aussi, ça ne va même pas marcher. When you have anointing, you prophesy, it doesn't kind of work. Celui qui est oué. But who's anointed? Si t'imposes les mains. When you touch your hand, tu as l'onction. You have anointing. L'onction est transférable. Anointing is transferable. Mais celui qui n'a pas l'onction, mais qui prie pour que Dieu lui donne ceci et il vient donner. Et il repart pour prier et Dieu va lui donner, il viendra donner, ne peut pas transférer. Mais madame ici ça, vous ne pouvez pas Et c'est un mot qui est quand transfère un prêt. C'est ce qui vient. C'est ce qui fait que vous allez voir, on fait l'ordination ou bien l'ordination des gens. Ils sortent, mais ils n'ont rien. On peut verser l'huile sur ta tête, mais tu n'as rien. Mais celui qui porte l'onction, c'est comme un lion qui fait un lionceau. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, that's why Apostle Paul says, fais attention. Be careful. Ne pose pas les mains aux gens n'importe comment. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, son fils. De peur que tu ne déposes pas la bonne semence sur une mauvaise personne. And that's why you can keep your hands to wicked people. Si je lui impose les mains, touch my hands. Mon onction sera sur lui. Partout il ira, everywhere l'onction sera sur lui. Il va détruire les œuvres démoniaques. Il dit, je t'ai établi pour abattre, pour arracher, pour détruire les œuvres démoniaques. Reçois ça. Tout le monde ici, vous allez posséder l'onction. Tout musical, prenez ça. In the mighty name of Jesus. Receive that. L'onction de Dieu. The anointing of God. Sur tout le monde. In every world. Reçois cette grâce. Maluka Banza Luka Taria. Take it. Wherever you're watching us. Malika Taria. C'est toujours. Prends cette grâce. Receive that anointing. Personne ne va remplir. Sans posséder l'onction. Le mariage c'est une onction. Le bébé Mila c'est une onction. Le travail c'est une onction. L'onction là va te localiser. La richesse c'est une onction. Dis voisin. Est-ce que tu sais que la richesse est une onction? Tu n'as quoi? La richesse est une onction. Tu vas porter cette onction. Je dis bien, tu vas porter ceux sur qui vous ne comptez pas. Aujourd'hui, Dieu va les saisir pour l'onction. Dis Jésus, j'en ai besoin. Non, Jésus, j'en ai besoin. I'm in need of it. Yes. Je viens donner. Now, what I say to him? Yes. Monsieur Fonton dit, prends ta part. Il doit. Tu prends ta part. Il doit. Take your own.
Qui veut ça ici? Maybe back here. Who need it over here? The demonstration of anointing God. Hey! Ça a commencé. Regardez l'ancien en train de frapper. 150 personnes vont venir devant ici maintenant. 150 moi, mais la fille. On est en train de 50 people au front. Mais toi, 150. S'il te plaît, ne fais pas patron, ne fais pas. Mablo Kao, et l'homme est Mablo Kao. Ceci là. Viens-le dire. Tout le monde a besoin. Mais bien nous, d'autres. Maman, prends ta part en même temps. Oui, maman, tiens-nous. Prends ta part. Mais oui. Dieu est all over the world. Wherever you're watching us, be connected to your television. You're watching us all over the world. As you can see, the anointing of man of God is overflowing all the world. Receive your own as you connect with us. Je commande au nom de Jésus. I command in the name of Jesus. Que l'onction de Dieu qui est sur moi traverse le peuple maintenant. Prenez ça au nom de Jésus. Look at it. As you can see the demonstration of anointing, wherever you are, be connected as a man of God. Declare this anointing. Ça continue. The anointing is continuing. Look at the anointing. Hey. Amenez-la ici, amenez-la sur plateforme. Celui qui avait l'onction aura de plus en plus ce matin. Amen. Le domaine où tu interviens, son notion va intervenir dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit 150 personnes. Ça continue. Cet esprit, ça continue. Partagez-moi ça. Marie. L'huile est en train de couler. 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 Ça coule. The anointing. Ça coule. The oil of God. Ça coule. Wherever you are. Ça coule. As you connect. Il est mort dans la cour. Ça coule. The oil is falling. Ça coule. You are son of a dwarf. Ça coule. Tu es prometteur. Tu ne peux plus être la même personne. Yes, sir. On peut se passer. Il y aura des gens. L'huile va se symboliser à parler en langue pour toi. Une force va intégrer des gens. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Please don't be distrait. Et ne regarde pas ce qui tombe. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il est en train de toucher. Il est touché. Tu vas marcher avec une notion extraordinaire. Regardez la grâce de couler partout. L'onction de Dieu doit t'emballer partout. Regardez l'onction. Derrière là. Même des gens qui me regardent depuis la France, depuis l'Allemagne, l'onction va tomber sur eux aujourd'hui. Je vous tâche de l'onction. Je vous tâche de l'onction. Je vous tâche de l'onction. Recevez l'onction. Hey! Wherever you are watching us, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu doit toucher. Distance is not bad. L'onction de toucher. Celui qui n'avait pas d'intelligence. Celui qui n'avait pas d'intelligence. Mais maintenant lui est là. Va avoir l'intelligence. Yes. Celui qui n'avait pas les moyens. Va commencer par trouver les moyens. Les portes du mariage vont s'ouvrir. Les portes de visa vont s'ouvrir. Les portes d'élévation vont s'ouvrir. Recevez l'onction.
Regardez là-bas. Des ressorts de couleur partout. Wherever you are. Ça coule. Be connected. Ça coule. As the man of God. Ça coule. Is declaring. Dans la chapelle. Pastor of anointing. Partout. Travel and visa. Coulez maintenant. Ceux qui ont besoin de bébés. L'onction de jument coule au nom de Jésus. Recevez ça. Receive it. L'onction qui est sur ma tête, touche ta tête au nom de Jésus. Un fils est un héritier de son père. Si tu es mon fils ou ma fille spirituelle, je commande maintenant l'onction qui annule le malheur, l'onction qui amène bonne nouvelle, que cela t'attrape. Look up. On le voit. It's all over. Hey. Wherever you are, be connected as you receive your anointing. L'onction de tente est agée. Hey. L'huile est écoulée partout. Quand vos yeux reçoivent l'onction, l'œil de plusieurs, ça va commencer par le brûler. Recevez l'onction. J'entends que vos yeux s'ouvrent. Voilà ça. L'onction de tomber dans la joue. L'onction tombe dans la joue. L'onction dans la joue. L'onction dans la joue. L'onction dans la joue. It's all over. Dans la joue. Dans la joue. Of God. Dans la joue. It's all over. Dans la joue. Receive it. Dans la joue. Take it now. Dans la joue. Take it now. Dans la joue. L'onction est une huile qui fait briller. Ceux qui t'avaient vu vieillir, ceux qui t'avaient vu chétif, ceux qui t'avaient vu en train de mourir, je commande maintenant. Commence par prier. 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 L'huile sur ta tête. The oil is coming upon your head. This stuff is not paria. Begin to receive your miracle. Begin to receive your oil. Wherever you are, as you are watching us, begin to lay your hands on your television. Il est à toi de couler. Il coule partout. Il y a quatre personnes qui sont dans un trou. L'onction va vous propulser, vous allez sortir. Je commence. Un à toi. On sort de deux. Dans mes soleils. Dans mes soleils. Soleil. 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 As you can see the anointing of man of God, Marate. As you lay your hands on the screen, Shata. Cash. Whatever you're watching us, be connected to the anointing.
as the man of God is ministering, man te prenne dans l'autre, to connect and receive your prayers. Wherever you are, as you are watching us all over the world, as the man of God is ministering, the anointing of God is flowing on top. Begin to receive your anointing wherever you're watching us. Jesus. Receive your anointing wherever you're watching us all over the world. Be connected to our channel. Lay your hands to your screen and begin to connect whatever you want God to do for you, because this is the anointing of God is moving. Begin to receive the anointing of God. Amen. Amen. L'onction de Dieu est opérée. The anointing of God is opened. Elle est paralysée depuis quand? She's paralyzed. Hein? 2 years. Ça fait un an déjà. It has been 1 year right now. Ça fait 2 ans. 2 years. Shakata. As you can see, this woman, she's paralyzed for 2 years. In the mighty name of Jesus. Nom de Jésus. As là où il y a l'onction, la vie vient là. La paralysie laisse place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maman, levez-vous. Maman, stand up. Hey. Marche. Maman, walk. Miracle. Marche. Miracle. Wow. The world is all over the world. Wherever you are watching us, as you can see this world, reçois la grâce. Malakata. Malikatariantes. Malekata. Reçois la grâce. Je commande maintenant. I command right now. Le fardeau qui pèse sur ta tête. Now every father that's come to ça disparaît maintenant. By fire right now. Je dis ça disparaît maintenant. It is yours right now. Ça disparaît maintenant. Amen. Ça disparaît maintenant. Amen. Reçois la grâce. Receive your grace. Ça disparaît maintenant. Rakusulia. Ça disparaît maintenant. La sœur est déjà tombée là-bas. Si l'onction l'a amené là-bas, c'est que la personne est libérée. Anisaze, don't know me anymore, can't you? There's nothing is settled. Jesus. Malakata. As you can see, as our Father and the Lord is ministering by the prayer lines, wherever you have a subject of prayer, can you be connected to wherever you're watching us? Lay your hands on your screen and receive what the man of God is declaring. Là où il y a un esprit de serpent, l'esprit de mort disparaît. Les esprits de serpent, manifestez par le feu. Jesus. Wherever you are, recevez ici votre part d'onction. Que la grâce tombe. 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 L'huile sur vos têtes. L'huile sur vos corps. L'huile sur vos corps. L'huile sur vos têtes. Dans votre âme. L'onction de Dieu partout. Toute personne sur qui est écrit la mort, j'annule la mort là au nom de Jésus. Shatukata. Shatukata. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Oh, your name is Yahweh. You are the miracle. Oh,
Papa, regardez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as dit fait? Hein? Un brûlé. Un tableau. Un brûlé. Depuis quand il est malade? Si vous êtes le béni. Si soigné. Depuis si. Quand il ne voit plus. Il est le mon noir. Prenez-moi. Un an et demi. C'est ici. Et Osha, relevez tous ceux qui sont sur l'autel. Il y a même bien des clients nous confiner. Ouais. Regroupez ceux qui sont. Mais les venus avec Goudo. Que personne ne verra derrière. Thank you, Jesus. Vous voyez ce que l'onction fait? Que cet homme voit. Que l'esprit d'aveuglement qui a fait que cet homme ne voit plus s'entorne. Au nom de Jésus. Papa, mi komi. Papa, regardez-moi. Daddy, look at me. Mi blonde, blonde, ma go. Fais ce que je fais. Hey! Mi tite. This is a miracle. Mi da la tanumi. Hey! Mi da la on tite. Hey! Mi wuli a on tite, ma go. Oh! A on tite. Come on. Hey! Aïe, 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 aïe. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Regardez correctement l'œil. Vous allez voir qu'il y a une plaque de cataracte sur l'œil. Il y a une cataracte de Mkondi. Oui, c'est sur les deux. Mais bon, Mkondi, il est. Mais papa voit l'onction de Dieu. Vous êtes content? Il est hors de question. Alada,
bon mi mo mi lo tele me e wa kala vita tije go ba tele mo lo ko bo mo mi lo tele me e wa do kula papa à travers vos petits acclame plus. Jésus pour les partenaires. Auprès de nos partenaires. Can you clap for partners of all people? Des partenaires. Ceux qui soutiennent la chaîne de télévision. Car j'ai jamais vu et non te chercher sans te trouver. Tout le monde se lève. Même les titres. Et tout le monde lève ses mains vers le ciel. Si tu sais que tu veux quelque chose. Si tu sais que tu veux ce qu'on appelle l'onction. Vous savez, l'onction est sécurisée par le souffle. Bon, souffle sur vous, cela reste permanemment. Et, qui veut ça ici? Vous n'êtes hier. Prenez cette grâce. Take this grace. Que l'onction qui est sur ma tête head, vous intègre pour toujours. Touch you right now. Oh, oh, oh. The demonstration of power, the transfer of anointing. Viewers all over the world, vous qui me regardez depuis des pays environnants, you are watching me all over the world, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Congo, Mali, Togo, de la Guinée, in Guinea, n'importe où vous êtes, wherever you are, depuis le Gabon, in Gabon, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, Paris, du Canada, USA, Canada, je dépose l'onction sur vous ce matin au nom de Jésus. Partout où vous êtes, quel que soit le problème que vous avez, wherever you are, no matter your problem, que l'onction vous localise au nom de Jésus-Christ. Que l'onction intervienne dans vos maisons. Que l'onction intervienne partout où vous êtes. Wherever you are, recevez ça au nom de Jésus. J'ordonne les guérisons depuis la maison. J'ordonne la guérison partout où vous trouvez. Vos activités sont boostées de percées financières. Receive it right now. In Jesus' name. Amen. Oui. Quand vous avez un relâchement supranaturel de l'onction de Dieu. Oui. La sœur dit qu'elle souffrait de l'hémorroïde depuis des années. Ce qui fait qu'elle a utilisé les remèdes, tout ça ne marchait pas. Ce matin, elle était venue, elle sentait des douleurs. Tout à l'heure, après le relâchement d'onction, elle a dit que les douleurs ont disparu instantanément. Elle ne sent plus rien actuellement. La douleur a disparu. Yes, ça dit. L'hémorroïde a été soignée par l'onction en même temps. Oui, papa. Ça se manifestait comment? Ça sortait. Ça sortait. Oui. Et tu as la douleur. Oui. Ça ne va plus jamais sortir au nom de Jésus. Amen. C'est terminé. Et faut bien connaître. La fraîcheur de Dieu est rentrée dedans. Vive ma toi, bien, mais acclame Jésus. Viens, il va te toucher. Maman salut. Allez-y, allez-y. Dani, l'onction qui a coulé ce matin a visité la vie de la soeur de voici. Oui. Elle dit que ce matin, elle s'est réveillée avec une douleur pénible dans son cou, au point où elle ne pouvait pas tourner le cou. Jusqu'à son arrivée dans le culte de ce matin, elle ne pouvait pas bouger le cou. Mais quand vous avez commencé par relâcher l'onction, elle a senti l'onction de Dieu entrer dans son corps. Et maintenant, ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle est en train de le faire. Elle pouvait bouger le cou à gauche, bouger le cou à droite, tourner la tête correctement, comme si elle n'avait rien eu auparavant. C'est vrai? Oui, je me suis réveillée ce matin avec une douleur quelque part là. Et ça faisait que je pouvais bouger comme ceci, mais là... Reçois ta liberté au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus pour ce miracle. Tu as où? Yes. Acclame encore très fort. Ça fait combien de fois tu viens ici? Je n'ai pas quoi faire. Je viens de la France. Tu viens de la France? Moi, je t'ai vu dans l'avion. Non, moi, l'avion, mais. Je t'ai vu dans l'avion. Tu me suivais là-bas ou bien c'est quelqu'un qui t'a dit? Non, je suivais sur Facebook. Tu suivais ça sur Facebook? Ouais. Et c'est pour cela que tu es venu? Professeur, prophétisant. Quand vous venez d'un pays donné, gardez votre drapeau. Yes. Ça va beaucoup vous aider. Identification. Prochaine, je le dis pour que les autres aussi puissent le faire. Dieu t'aime, c'est pour cela que tu es vu là en même temps. Jesus loves you, that's why I just see you over here. Dans le règne de l'esprit, j'entends comme Nucia, Nucia. In the realm of the spirit, Nucia. Prophesy, daddy. Your name is Lucia. Malakataria. You are born to prophesy. Malebrado Sagadaria. Power.
Où est ton mari? Where is your husband? Il y a un rejet familial sur toi. Parce que je vois deux déceptions. Une première, une deuxième. Mais je veux la grâce de l'Éternel parce que tu es venu ici. Va intervenir. Parce que quand l'homme sera là, il y aura problème ici pour la conception. Hein? J'ai déjà un problème. Tu as déjà un problème. Un problème. Un problème dans le ventre. Hein? Yes. Dans le, ne pleure pas, on ne vient pas ici pour pleurer. Donc, quand tu viens ici, c'est comme si tu as vu le vrai docteur. Le vrai docteur. The right doctor. Résous ça, Dani. Tu as des parents ici? Non. Je suis du Congo. Tu es du Congo. Elle est du Congo. Elle est venue au Bénin à Côte d'Origine. Et tu as quitté la France pour venir ici. Oui. Parce que tu me suivais sur Facebook. Ah, bon, le Facebook. Tu vois si tu partages les choses sur Facebook ce que tu fais. Venez, je vais la délivrer tout de suite. C'est un problème familial dans sa vie. Sa vie a été scellée auprès d'une rivière. Et je vais rentrer dans la rivière tout à l'heure. Hey! Vous savez, si quelqu'un quitte la France et la personne dit maintenant que tu prophétises pour la personne dit problème, parce qu'elle ne peut pas concevoir si je ne la touche pas. Si je ne brise pas le joint, elle ne peut pas concevoir. Son sort est scellé déjà là. Et si je ne la touche pas, ça va évoluer pour devenir une tumeur. Dieu va la libérer. J'ai menti? Hein? Non. Fais quelque chose, Daddy. Ton Dieu est capable de quelque chose. Daddy, do something. Your God is capable to do something. Dans les profondeurs. Est-ce que tu crois que mon Dieu peut te faire ça? Amen. Do you believe that my God? Tu crois? Oui. I believe. Malekataria. Holy Ghost. So in the mighty name. Out in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Please. Go. Jesus. Yeah. The fire. With fire. Le feu s'attaque partout dans ton corps. Fire dans ton ventre. Dans feu. Fire. Feu. Dans l'eau. Fire. Feu. Partout. Feu. Fire. Manifeste pas le feu. Fire. Manifeste pas le feu. Fire. 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 Manifeste. Fire. 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 Envoie-moi le feu. Envoie-moi le feu. Fire. Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. 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 À partir d'aujourd'hui, quand tu vas dire fire, il y aura manifestation. Mais si tu ne respectes pas cette source, ça va disparaître. Je mets le feu dans la rivière. I set the fire for river. Je mets le feu dans la rivière. I set the fire in the river. Le feu au Congo dans la rivière. Le feu dans la rivière. Tout ce qui est pour elle maintenant. What belongs to her right now. Retournez ça maintenant. Return it back right now. Et tout ce que vous avez mis dans son ventre. Prenez ça et sortez. Sortez ça. Sortez ça. Sortez ça. Sortez ça. Sortez ça. Sortez ça. Allez faire ça. Relevez-la. Commande l'opération surnaturelle. Commande surnatural operation. Quand tu pars, when you speak, tu ne verras plus ça. Amen. You will not see it again. Tu vas tomber enceinte facilement au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et toute tumeur brisée scattered.
power. In Jesus. Terminé. Terminé. That's it. Acclame my Father, Jesus. My Father. Let him continue to live. My Father, my Father. Yes. Your God is too much. As you can see this woman closer to me. La dame que vous voyez auprès de moi. She has IVP. She has BP, BP. Elle avait la tension. And she said that she cannot walk. Et elle ne pouvait pas marcher. And part of her body. Et une partie de son she corps. Feel the pain in a part of her body. Elle sentait la douleur dans une partie but de son corps. Of God, come upon her. Mais après que l'onction soit venue sur elle. And she feel normal right now. Elle se sent normale maintenant. She can feel normal right now. Elle peut se sentir normale maintenant. Elle s'est sentie normale. Normal. Yes, daddy. Elle avait la tension élevée et elle ne pouvait pas marcher. Mais après l'onction, elle se sent normale. Oh. Amen. C'est fini. Daddy, okay. Daddy, on peut continuer, daddy. Il y a deux cas. Au nom de Jésus. Il y a trois cas rapidement ici. Oui. Elle dit, elle souffre de rhinite héréditaire. Rhinite héréditaire, ce qui l'a menée à ne pas respirer correctement. Elle est venue sur la terre de la transfiguration spécialement à cause de ce problème. Parce qu'elle dit, la première fois, elle est venue, elle a même fait la ligne de prière sur ça. Maman, venez un peu. Elle a fait la ligne de prière sur ça. Quand elle était petite. Quand vous étiez petite. Oui. When she's small. Héréditaire. Au fait, c'est un truc du genre sinusite. Something of sinusite. Familial. Familial. Oui. Familial. Oui. Et maintenant, quand on a relâché l'onction. Oui, tout oui. À l'heure, depuis trois jours, en fait, j'étais sur Alerite. Et Alerite était finie, la boîte était finie complètement parce que ça n'allait pas. Mais tout à l'heure, ça va beaucoup mieux, je respire mieux. Wow. Amen. Elle respire mieux. The healing of Mosai God. Celle qui ne pouvait pas bien respirer juste après la manifestation de l'onction, elle dit qu'elle respire mieux. She can breathe better. La dernière personne, rapidement, a dit. Oui. Merci. Avant dernière, autant pour moi. Celle-ci indique qu'elle avait des problèmes au niveau du bras. C'est comme si ça lui faisait des douleurs au niveau des bras. Mais tout à l'heure, après le relâchement d'onction, ça a disparu et elle se sent très bien. C'est fini. Et bon. Ok, vous êtes bénis au nom de Jésus. Je prophétise sur les yeux. Je reçois. Sur ton bracelet. Bracelet, tu dis. Sur ton huile. Ami, tu dis. Sur ton eau de vie. Une bête, tu dis. Cela est transformé en onction au nom de Jésus. Je vous aime, c'est ça. Je dépose l'onction dans tous ces éléments au nom de Jésus. Je commande que l'eau de vie se transforme en sang de Jésus. Partout tu vas faire usage que la grâce abonde au nom puissant de Jésus. Où est-toi? Ça. Je prophétise. Tu pars et tu vas contempler les merveilles de l'Éternel. La grâce va abonder pour toi. Amen. Le malheur reste loin de toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette semaine Amen. Est déclarée semaine d'onction pour toi. Amen. Et des preuves de l'onction au nom de Jésus. Amen. Que la grâce abonde pour toi au nom de Jésus. Amen. Dis, je reçois trois fois. Je reçois. Je reçois. Je reçois.